Pas si tu te souviens, toi, Dreamy, de ce qu'on avait fait. Mais ça doit être ça. Nous, on vient de là-bas, de la grosse porte, là. Par contre, je vois strictement rien. Attends, je peux fermer ma lumière. Hop, j'aurais peut-être un peu plus. On ouvre les portes déjà. Pas comme ça, apparemment. Pour rester armé, on sait jamais. Toi, tu m'avais dit que t'avais jamais joué non plus à Silent Hill. Moi, j'étais sur le live, genre 5 minutes. Ah, mais oui, je me souviens. Et t'avais dit, oh, déjà, Sniff. Je me souviens. Alors, suite à votre plainte concernant les tirs provenant de l'appartement 217, nous avons rendu visite au résident. Nous avons... qui nous a assuré de ne pas détenir d'armes à feu. Il s'est montré coopératif et nous a permis d'accéder à son logement. Nous n'avons pas trouvé d'armes à feu ni de traces d'utilisation d'armes à feu. Si jamais cela se reproduisait, contactez le concierge cordialement de la direction. Pas la direction, mais t'as capté quoi. Non, mais ce soir je vais me rattraper, Dreamy. Tu vas voir, tu vas regarder pendant longtemps. Alors peut-être pas jusqu'à 5h du mat, parce que honnêtement, comme je t'ai dit, je suis claqué. Mais déjà plus longtemps que la fois dernière. Toi, déjà là, t'as battu ton temps de la fois dernière. Je vois bien sa mère. Pas d'objet, donc il faut une clé déjà pour sortir. Super! J'entends du monstre. Balle de pistolet 2. Alors, c'est bien. Il y a des jeux, t'as le pistolet, mais t'as pas les balles. Moi, j'ai les balles, mais pas le pistolet. Tu peux pas tout avoir dans la vie, hein. Oh, rien, sa mère. Tu vois quelque chose, toi? Frérot, y a pas de torche ou quoi, là, dans le jeu? Wesh. Hello? Anybody here? Is anyone there? Nya. Oh, c'est presque pareil, y a deux lettres près, c'est bon. Ah là-bas, si c'est pas une invitation à y aller, gros, je comprends pas. Là, on va avoir une ombre. Non? Oh non, pas ça, pas de mannequin. Hein. Pas des mannequins tout de suite là. Fuck. Okay. Ce reflet dans le miroir. Oh, trouver un flingue par hasard. Ah, ouvre le tiroir, zbé. Galère. Bien ça. Je vais taper sur les mannequins, bah les couilles. Ah bah moi j'ai gagné une torche, moi qui me plaignais de voir de rien voir. Oh là là. Wesh, 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 wesh. C'est quoi ça? Des jambes sur jambes. Et hop là, l'esquive. Voilà, hop, un petit soin. Ah, je sais pas d'où il est sorti en plus. Pareil, vachement propre les vêtements quoi. Clé de la cour d'ordure. De la cour en bas ça. Du coup, je sais plus si la fois dernière je t'avais posé la question, Dreamy, si t'avais déjà fait des jeux, toi. Vu que t'étais resté que 5 minutes, voilà quoi. Y a la porte qui se referme toute seule. On a... Y a pas assist... Attends. Non, y a pas de système de piles. Bah, va bien rester allumée la torche, hein, moi je te le dis. Pas la bonne clé.
C'est honteux. Pète tes oreilles, bâtard. C'est de l'itos. Dans la forme, bro. C'était flappant. Ça m'a niqué les oreilles. Ça va juste mal au bas du dos. Bah t'as foutu gauche. Yeah. Encore des balles, mais j'ai pas le flingue. Let's go. C'est fait exprès. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est dommage, je peux pas mettre la cam sur le jeu parce que la cam elle a 3 FPS. Le jeu est un peu trop gourmand et j'ai pas une carte graphique de ouf. Du coup, voilà. Je sais pas, tu me verrais, on dirait un vieux de 90 ans. Bah, c'est pas déjà le cas. C'est pas là, c'était pas la porte. Let's go! La bonne peau. Ouais, le brouillard, ouais. Il fait bizarre le brouillard. J'ai juste un écran de fumée. Est-ce que là, ça ouvre la porte là aussi? Pas du tout. Bien pour rond. Qu'est-ce qu'il raconte votre pote là? J'allais dire parle français, mais ça doit être un mot français. C'était un jeu de mots. Ah bah du coup j'ai pas compris le jeu de mots. Ah tout y est fermé et... Je peux aller dans le truc de vie d'ordure et je peux aller nulle part quoi. Ah si peut-être. J'ai rien dit. Ah peut-être là. Tu quoi c'est? Du coup c'était un jeu de mots par rapport à quoi? J'ai pas compris le mot ni le jeu de mots. Oh putain. Il est où? La caméra à 2 FPS, ça fait un diaporama de rond. Ah, c'est bon, j'ai compris du coup. Encore des balles, let's go. Peut-être on va trouver l'arme là ici. On drop un peu beaucoup de balles. Ouh. Pas mal la salle de bain, ouais. Je rappelle que quand la radio fait ce bruit. C'est qu'il y a un monstre pas loin. Ou un truc de forme non humaine. Ou non bestiaire. Connu. Je la note 5 sur 10. Oh, on en est là, quoi. On note les blagues maintenant. Oh, moi j'ai un coach. Attends, il est où lui? Je le sens pas. J'ai entendu un truc, j'ai entendu un clic-clic. Imagine, il y a une arme derrière, il me pointe direct avec. En tout cas, le bâton, il est résistant de ouf. Hein. Il a toujours pas pété depuis le temps. Ah, oh, mais c'est lui. Par contre, ma lumière, elle a un peu clignoté. Et nous aussi, on est des bonhommes, on n'a pas peur. J'ai tellement peur qu'une porte explose et qu'il y a un monstre qui sort. Et vraiment, je m'y attends tellement pas. Bien de noter la blague des autres. Ouais, on n'est pas là pour juger. Alors, s'il croit lui là-bas, je l'ai pas vu. Vous le voyez là, en dessous de la table ou pas là?
Le pied sur pied là. Frérot, pas moi. Vraiment, la cachette de merde, frérot, on est dans un cache-cache ou... Et comment ça, ce trou du cul là? Putain, j'en ai vu des cachettes de merde. Hein. Et lâche-moi, Michel! Oh le bâtard, il m'a mis un high-kick. Comment ça, il esquive? Putain, quadruple coup de genou. Hyper cut de genou. L'œil de top. Ah, faut vraiment être aveugle pour pas le voir, là, frérot. Je suis rentré, j'ai vu instant. Il y a un trou du cul qui était là, 4 pattes en dessous, là. En tant qu'il n'y a pas de bruit de radio, c'est qu'on est safe. Bon, par contre, c'est cool de me donner des munitions, là. Je pense que c'est l'un des jeux où je trouve le plus de munitions au mètre carré. Mais sans arme, je vais pas aller loin. C'est cool de me donner une arme au bout d'un moment. La blague a assez duré, quoi. Moi, je vois que dalle, c'est un truc de ouf. C'est fermé. T'as remarqué. Moi, je dégaine mon arme. Plus de soin, sa mère. J'ai claqué tout mon soin. Ah, super. Ça va peut-être couper l'arme. Oh, il y a des chances aussi. Oh, il y a ma clé. Ah, l'erreur de débutant. Il va passer sa main. Oh, putain. Oui, il prend pas que le bâton. Elle est conne, elle. Eh, je vais la gouper, ta pote, là. Ouais, je sais pas. Il y a un bâton avec des gros clous, frérot. J'aurais fait que le bâton, jamais de la vie. Je passe ma main. Ça fout, lui. Putain, tout ça pour revenir ici. Bah écoute, si j'ai loupé l'arme, je sais pas où je l'ai loupé. Hein. Ah, m'en fout un bordel. Ah, c'était sûr, j'allais dire là, ça va être ouvert. J'ai les cheveux très brillants, je veux la marque de son shampoing. Écoute, je en tirerai deux mots. Quand l'occasion se présentera. Hors de là, je sais que t'es là. Pas ce qu'il tape là, mais j'ai peur. Ah, il va loin. Hein. Une arme, une arme. C'est dans les shots, hein. Vous voulez avoir vu un ping. Du soin. Ouh, 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 j'ai mal. Oh, je le sens bien dans l'armoire, là. Il va se jeter dessus. Poignée pomme dorée. Ok. Ok, ok. Une petite robe de mariée là, s'il vous plaît. Quelle énigme de ouf! Waouh! Je
Je voulais pré-shot un truc, mais ça s'est pas passé. J'allais dire, regarde, y a un zombie ou je sais pas ce que c'est qui va passer devant là. Vu d'où je viens. Ah. Couloir premier étage. T'as entendu, Jean-Michel? Bon, mauvais bail de lire maintenant, je pense. Il pourrait y avoir du soin avant que j'aille me battre, ce serait cool. Ok. Prends ça pour un nom. Oh, ça pue l'arnaque. Gauche et à droite. Apparemment, c'est pas dans la salle de bain. C'était au-dessus de cas, Philippe! Quite the artist. Ah, bah écoute. Du soin, ouais. Que je vais utiliser le plus rapidement au monde. Un point là, non? Bizarre, j'ai entendu un zombie, il y a personne. C'est chelou. Emblumen. Vers Schumann. Venez lui. Donc la gamine se cachait dedans. Oubliez pas que j'ai longé un long couloir sa mère. Avec la radio qui fonctionnait. Restons à l'affût. Il est là, je le vois. Attends, mais meurs! Oh non, oh l'arnaque. Il va rentrer avec tous ses potes là. Mais peur, bâtard! Faut pas les porter comme ça! Là-bas, il est mort. Un deuxième. Ah, mais la boule dorée, ça se met dedans peut-être. Pas où, mais ça se met dedans peut-être. Ah, ça se met pas dedans. Pas perdu. Venu sur mes pas. On va en profiter, on va sauvegarder. Moi perdu. Ah ah. Demande à mes potes si je suis perdu quoi. Ah mais la porte is open. Et d'avoir une maison aussi grande. Arrête de ranger ton arme là. Et meurt au bout d'un moment, frérot. Enfin, c'est pas très réussi, je trouve. Non, bah c'est, tu vois, c'est ce que je reproche au jeu. Moi, tu regardes le film, t'as une ambiance de malade. C'est oppressant et tout, t'es dans le brouillard, tu vois rien,
T'as toujours l'impression que tu vas te faire attaquer dans le dos. Là, ici, frérot, même les bêtes, tu peux les esquiver easy, quoi. Là, je suis en mode normal. Pour un coup, je lance le jeu en normal. Enfin, je fais un jeu en normal. Je le fais même pas facile, gros. Et je trouve, je sais pas, il manque un truc. Même Resident Evil, voilà, quoi. Ouais, il est classé jeu d'horreur pour l'instant, honnêtement. Oh, j'ai peur. Hein. Encore les, toi, les jumpscares et tout, c'est minime. Bon, ok, des fois je surjoue, mais voilà quoi, c'est pour l'entertainment. Pour les clips. Il n'y avait pas de clip d'ailleurs. Hein. Bonheur de clip. Jamais. Facturé. Et après, le truc, c'est que je regarde tellement de films d'horreur ou de. J'ai vu de jeux d'horreur que tu vois, je pré-shot les moments où ils peuvent m'attaquer. Au premier étage, c'est vrai. Je sais pas. T'as rien. Et apparemment, le. Pas ouvert ici de base. Attends, comment ça? On est déjà au deuxième étage. Où le premier étage? Là, c'est le rez-de-chaussée. La clé que j'ai, c'est clé du premier étage. Clé du couloir premier étage. Clé du couloir du niveau 2. Il y a un truc pas en raccord là. On va se mettre d'accord, c'est le premier étage ou le deuxième? Ouais, mais en Amérique, voilà, ils font tout bizarrement aussi. Hein, d'un moment, le 1 et 1 égale pas égale 2. Hein. Ah, c'est. On apprend ça en primaire. Hein. Mais le bruit qu'il fait quand la porte elle s'ouvre pas. Ça fait penser à la mère de Gru dans Moi, je suis méchant. Là, tu vois, là, tu vois, je sens le jumpscare. Genre, le truc qui va peut-être t'attaquer de la droite parce que toi, t'as des vieilles planches de merde. Alors, peut-être pas à ce passage. Peut-être quand je vais repasser. Bon, après, c'est un peu haut, j'avoue. Mais, tu vois, c'est des trucs téléphonés, des fois, on dirait. Alors, je sais pas si c'était autant téléphoné que ça dans le jeu original, mais. Et voilà, je sais pas. Oh, c'est. Rouge devant. J'arrive pas à voir si ça bouge ou si c'est le truc de sauvegarde. Voilà, mais. Moi, je vais à la guerre, moi. Moi. Il y a une porte qui s'ouvre, j'y vais. Ah, c'est peut-être les trucs à récupérer. Ah, je pensais qu'il allait se pencher pour essayer de l'attraper, ce trou du cul. Il faut faire tomber tous les déchets en bas. En fait, à partir du moment où il y a une bête, frérot, il fait noir, mais de ouf. On voit rien. Allez, il faut trouver le petit méchant caché. Rigole. Il y a un petit trou. Fermé. Moi j'y vais, mais genre YOLO quoi. Alors je sais pas ce qu'il faut voir. Il y a des griffes sur le mur. C'est un meuble qui a été bougé. La porte est fermée. Moi, j'aimerais pas une chambre en plein milieu d'un passage.
Bien le bonjour. Mais on est où là? Du fait de rénovation en cours, il est demandé aux résidents de ne pas accéder au niveau 3 du bâtiment quand j'amende les services de gestion de la résidence Woodside. Quand j'amende la direction. Pas la clé. J'ai le pommeau. J'ai pas la clé. Peut-être c'est un peu comme Rec. En haut, il y a un monstre de ouf. Mais bon, tu dois pas avoir la ref comme d'hab. Tout est fermé, super. Y a rien dit. Ah, je pense que c'est un monstre. Un trou. Oh, des balles. Pourquoi pas le flingue? Ça se trouve, t'as raison, hein, j'ai loupé le flingue. Il y avait peut-être un. Ah, j'ai peut-être la ref. Ouvrir la map. Ah, je peux pas ouvrir. Ça se trouve, il y avait un. J'ai vu les règles, c'est bon. Ah, ça fait plaisir. Pourquoi il y a un caddie? Bah, le 1 est bien, le 2, ouais, après. Oh, je sais plus ce que je disais. Mais non! Mais non! J'allais dire, imagine, il y avait peut-être une boutique de d'armes à feu que j'ai loupée quand j'étais dans les rues. Mais non, ça va, tout va bien. J'ai pas loupé en fait le flingue depuis le début. Alors, viser, tirer, pampan. C'est bon! Ah! Venez maintenant là! C'est bon, je peux lâcher le bâton. Alors j'espère qu'une balle dans la tête il meurt. Hein. Là je sens bien, ils vont mettre un petit mob de test, tu vois. Là je parie, je vais arriver au fond du couloir, il va y avoir un mob. Mais voilà, c'est la télé qui est allumée. On est dans paranormal activité ou... Je vais ramasser une clé. Comme sur PS2, 3 balles mort de rire. Il passe sa vie en QWERTY lui. Pas de mort avant ici. On est d'accord, il n'y avait pas de, y avait personne sous le fauteuil. Je sais même pas s'il y avait un fauteuil. Il n'y avait pas de fauteuil à la base. Il y avait juste la néné. Aussi, c'est un truc que je déteste dans les jeux. C'est tu passes, tu reviens, il y a un truc qui a changé. Là, c'est vraiment prendre pour un con. Chambre 212, donc. J'ai peur qu'il bouge, le bâtard. Alors là maintenant en gros, je suis armé. Oh bah, là-bas c'est la chambre 213 à 222. 212 c'est de l'autre côté. Ah j'avais dit, oh, regarde, regarde la fenêtre. Tu vois la fenêtre là? Peut-être au prochain passage du coup. Et qui respire aussi fort là. C'est vermé. Va me dire que je dois refaire tout le tour là. Moi, je peux rejoindre les chambres de.
Les clés de la chambre 212? Ouais, les clés de l'appartement 212. Sais pas si je dois repasser par l'autre côté de la cour là. Pense. En profiter, je vais sauvegarder. C'est sur mon passage. Y a toujours la petite pièce à récupérer aussi. Ah non, mais quoique je suis con, c'est fermé là-bas. Ah, mais non, attends. Passer par. Par l'appart. Aller-retour, gros, putain. Ah, je pensais qu'il est revivant. C'est quoi les numéros ici? Oh, ah ouais, mais je suis pas au bon étage. Pas au bon étage, lol. Bah non, bah je suis niqué. Ah ouais, je sais par où. Ah putain, c'est... Mais non. J'étais coincé. J'aimerais bien faire... utiliser un peu mon arme, là. À la base, on était parti par là. Et par là, on avait réussi à monter quelque part. Pourquoi pas. J'ai une croix poing. Pas d'escalier. Ces appartements qui ont pas d'escalier là aussi. On va retourner de l'autre côté. Ouais, je sais pas, il garde par là, là. Deux 201, 203. Moi, c'est par là-bas, normalement, je dois aller. Comment je suis censé ouvrir la porte? Je peux pas tirer genre dans la poignée, elle s'ouvre. C'était trop demandé pour le jeu, quoi. Peut-être c'est à moi de passer par là. Ça m'endort bien, je lâche le clavier et je passe en langue bonne nuit et je m'endors avant la fin, bisous. Bah super la meuf, c'est elle qui me dit je joue et... Non. Non mais je t'avoue que... Ouais, bah... Niveau ambiance, j'ai connu mieux. Hein. De toute façon, j'ai toujours préféré les Resident Evil. 213, bah frérot, y a le pâté, là. Peut-être que je vais descendre par là. Bah. Après, n'hésitez pas à m'aider, hein, si vous voyez un truc que j'ai pas vu. Honneur, hein. Ça se trouve, il y a un truc à faire avec... Ah non, mais attends, je suis con. Par là. Bah non. On va essayer. Peut-être là la clé elle va marcher, mais non. Il y a ce passage. 215. Ah bah elle est là, c'est bon, j'ai trouvé. 216. Alors attends, attends. Waouh! Comment on passe de 204... 215, 214, 216? Elle est où la 212? Putain, j'en ai marre. Ah.
Les calculs sont pas bons, Kevin. Il y a un autre passage quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas ici un truc que je n'aurais point vu? De base, on était là. Quoi que non, on était retourné sur notre chemin et on avait croisé le mec sur son fauteuil. Oh putain, ça y est, chute du père gros. Vraiment, n'hésitez pas, hein, si vous voyez un truc que... Vous savez ce qu'il faut faire, voilà quoi, au bout d'un moment... Pas envie de chercher, hein. Pas envie de me creuser les méninges, comme on dit. J'ai envie que t'as qu'une balle dans la tête, ton mec. Alors vraiment, s'il est mort... Il y a un peu de ravus ici. En bas, le pistolet fonctionne. Ah, mais peut-être par là-bas. Pas du tout. Pas du tout. Garo. Et si tu veux, j'ai Kate Place à tester aussi. Rimi, si ça peut peut-être te réveiller. Cette porte là ici. 212. Putain, elle est là. Oh, un big loom. Ah, c'est la chambre où il y avait l'eau qui coulait. Je me souviens. Il y en a un qui a pas fermé le robinet. Qu'est-ce que c'est ce bruit? On va rentrer. J'entends un mob, je sais pas où il est. Vraiment, je sais pas où il est. Je l'entends trop bien pour qu'il soit pas en dessous de moi, quoi. Bon, je change d'arme. Pas trop envie de bousiller un. Comment on change d'arme sa mère? Pas trop envie de bousiller des munitions pour un scarabée là. Doit avoir une touche pour changer d'arme. À chaque fois faut faire ça pour changer d'arme? Une blague? Alors, qui met des munitions dans le frigo? Ah! Enfin un truc efficace! Ah, bâtard. Ah, ça sent mon... Ah, mais... Attends. J'ai capté! Quand je tape direct, c'est le bâton. Si je vise, c'est le flingue. Ok, bro! Hop, je pète des télés. Moi, je suis un thug. Sept. Oh, il y a un numéro. Humble début de carrière. Je vous avez vu comment Dream me laisse tomber, quoi. Pas cool. Ah, mais au bout d'un moment, frérot, prends tes balles. Hein. Je vois plus rien, sa mère.
Pas cool. Un peu plus résistant que les quatre jambes en l'air là. Alors niveau discrétion, on reviendra. J'espère que ça a bien réveillé Dreamy. Hein. Aïe! Putain, il m'a fait... Ah, problème. Comment ça, mon ref, j'ai déjà plus de bonnes. Et ça part vite, les munitions. Ah, c'est cool, une personne de plus qui s'endort devant mes lives. T'es plus tout seul, t'as de la concurrence, Daditos. Hein. Oui, il est endormi aussi. Oula, il y a eu de la faille dans les shots, là. Non, je joue aussi. Je joue à Silent Hill aussi. J'ai même plus d'où. Non, un autre jeu. Tu joues à quoi? N'empêche que la gamine, elle arrive à survivre avec tous les mobs qui traînent. Et moi, je me fais péter le cul. C'est vraiment n'importe quoi, je... Vraiment, il foutage de gueule, moi, je te le dis. Ouais, elle se cache. Yes. Oh. Mais on est où là? Tu dois penser que c'est cruel de ma part, mais ce n'est pas le cas. Cette prison que tu as bâtie, je t'ai observé la construire, je t'ai observé te couper du monde, je t'ai observé t'enterrer dans le noir. C'était ton choix, je t'ai observé quand tu l'as fait encore et encore et encore et encore et encore. Cette fois sera comme toutes les autres, je serai là à t'observer. Ok, nice lamp. The trap, bro! À droite, où les toits déchirent la nuit, à gauche retournent les pas, on ne sait qui. A-t-il trouvé un toit, dites la vérité, ou un flou de souvenirs menant droit en enfer? Pareil, ouais. Oh putain, il faut un code. Oh, le 7. Autour étrange, gros. Ah, j'aurais bien la retourner, frérot, fais un effort. Voilà, il y a le 7. Je crois que c'est ça.
Oh, vas-y, je fais de la merde. 4. Le problème, c'est que j'ai pas récupéré toutes les photos. Alors, s'il faut récupérer toutes les photos, je suis dans la merde. C'est la merde. C'est quoi cette 4? Il y avait une histoire à gauche et à droite là. À droite, tous les toits déchirent la nuit. À gauche, retourne les pas. Droite 7, gauche 4, peut-être. Ouais. Ah, si je dois trouver les photos. Attends, de toute façon. À droite, côté. Doit avoir un mélange peut-être. Le code est marqué sur les murs. Et là, en gros, à mon avis, c'est une ligne, un numéro. Donc à droite, où les toits déchirent la nuit. À gauche, retournez pas de. Ouais. À la 11. D'autres. Était bien visible. Limite la maison 7. Des trucs qui ressortent, mais le 11, un numéro. Je vois pas. Peut-être.
Attends, du coup, ici, avec... C'est chiant que ça quitte tout et que je suis obligé de reprendre l'autre truc. D'accord que la maison... La maison s'affiche pas, elle s'affiche à la lumière. D'avoir d'autres trucs pas visibles. Je viens de comprendre l'énigme. Je viens de comprendre l'énigme. À droite, les toits déchirent la nuit. La maison. À gauche, retourne les pas d'on ne sait qui. Les vagues. A-t-il trouvé un toit? Dites la vérité. La maison, les vagues. Un truc à faire. Des numéros que j'ai loupés. Là, tu vois les vagues, ça se... Ah oui, il doit en avoir un. Casse-couille. On la voit bien. Il y aura rien d'autre. Ah, si, là. 13. À la musique. Allez, pas. Ce serait 13. À gauche, retourne les pas dont on ne sait qui. 13, 7. Et mettons 13, 7, 1, 1, 11. Ah, ça a pas reset. Y a un truc. Test 7 1 1 11. Ça a pas reset quand je l'ai mis. Oh, je suis bidou ou je passais 30 pas devant et je le vois pas le numéro. C'est un truc de ouf.
Convaincu que c'est... Pourquoi éternel? De l'autre côté aussi. Alors, pour moi, il serait vers le fond. Pas trop de check à terre. Ouais, ça serait visible. C'est 13-7. A-t-il trouvé un toit? Dites la vérité. Peut-être là, c'est répondre à une question. Et oui, ça serait égal à quoi? 1? 1 pour oui, 0 pour non? Une histoire. 13, 7, et vers là, tu vois, pour après retourner là au 11. Peut-être dû faire. J'aurais peut-être dû faire ça dès le départ en fait, ça m'aurait moins cassé les couilles. Là, ça doit bien ressortir du coup. Si quelqu'un l'a vu, n'hésitez pas à me donner le numéro, hein. Je vous autorise. Clairement, je le vois pas. J'attendais qu'il y en aurait deux au même endroit. C'est ouf quand même de pas le voir. Un truc de dingue. La question c'est est-ce bien lui? Regarde, il y a un 9 mais... Oh, faut peut-être que je trouve un genre de yes, no. Maybe, I don't want the question. You repeat the question, bro. T'as rien vu, toi, Daitos?
Ça va finir, je vais tester tous les numéros. Mon avis, ça doit être un numéro entre 1 et 10. Non, mais c'est moi qui bique ou il y a un bled dans le système là? Je verrai un numéro qui ressort. Pas d'itos. C'est ton moment, gros. Je ne vois pas, il n'y a rien dessus. J'étais dessus. On va faire à l'ancienne. Le 7. Rien là qui veut. Est-ce que je peux remettre les numéros à chaque fois? Pas que pour une compte faux 13-7, c'est bien le truc. Pourquoi une compte faux? Oh putain. Je comprends rien, gros. Voilà, dans la réplique là. Je comprends pas. Frérot, je l'ai fait juste avant, ça marchait pas. Ma gueule. Les Templiers. Et du foutage de gueule, hein. Ah, galère pour résoudre.
Et petite escalier, premier étage. Qu'est-ce qu'il dit? Un étage. Et petit étage. Clé ouvrant la porte du petit escalier de niveau 2 de la résidence Woodside. Parce que c'était le petit escalier du premier étage. Voilà, apparemment. Oh bah, il y a des bruits chelous dehors. Non, ça c'est. La porte du petit escalier du niveau 2. Qu'est-ce que c'est? Je suis au niveau 2. Oh. Petit escalier. Pas de petit escalier. Mon but c'est de visiter toutes les chambres ou... C'est quoi, je vais sauvegarder. Dans le doute. On ne sait jamais. Bug. Hop là, pas eu, pas pris. Bon endroit, mais dans le doute, on met en 12D tant qu'on n'a pas les 5. On verra tout de suite si c'est à bon endroit ou pas. Hein. Oh, il est où, le méchant là? Mon petit escalier du deuxième étage. What the fuck, c'est où cette merde encore? Je me souviens pas d'un petit escalier, moi.
rien faire. Il est toujours à sa place. Peut-être là-bas. C'est vrai qu'on n'est pas monté en haut là. Et franco, moi, bats les couilles. Ah, bah, on peut pas monter. Bah, nickel. On y revient du... C'est venu. Pourquoi pas, hein. J'ai déjà perdu, quoi. Il y a pas de petite... Il y a pas de map. Ouais, mais il y a pas la map de là où je suis. Petit escalier, premier étage. Pas souvenir de... Il est resté à terre, lui. Et qui respawn, c'est nouveau, ça. C'est nouveau ça. Ah bah si, fallait peut-être passer par le balcon. Je peux pas l'ouvrir la porte. Par inondation là, laisser couler l'eau comme ça. Vraiment, en plus on peut rentrer dans les chambres. Rien. Bon, à part ça, j'étais venu ici. Oh, c'était là. Ah, un point de sauvegarde. C'est intéressant. Oh, moi, là, je me fais même plus chier. Je sauvegarde H24 sur le même endroit. Hein. Que là il va peut-être m'a peut-être fait une nouvelle sauvegarde, tiens. Déjà on va voir en bas. Voilà, des munitions. Et encore plus de couloirs. Nice, ça on a débloqué ici. Ça c'est bien ça. Pas des trucs chelous là-bas. Pas des trucs chelous. On s'est tout fait. Monsieur, vous allez bien? Hey, who's there? It wasn't me. I didn't do it. I didn't do it, I swear! Hey, are you okay? I didn't do anything, he was like that when I got here. He? Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him! It's all right, I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Eddie. Eddie, okay. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just... Something brought you here.
Yeah. Yeah, you could say that. Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, dude. Deep breaths. Look, this place, it's not safe. These things, this whole town, there's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. I need to find someone. Oh. On viendra le chercher plus tard, pire. Be careful. Yeah. You too. Ah, nice. Ah, tu sors assez de ce bug, quoi. Lui, on l'a enfermé dans les chiottes, qui est bien, hein. Il y en a du monde dehors, dis donc. On va en sortir par la fenêtre. Waputing. Ah. Ah, cette cuisine. J'avais pas encore trouvé, Eddie. Des balles bizarres. Tiens, tiens, tiens. C'est-à-dire avec ce que j'ai, je peux tuer deux mecs. Let's go, on y go. Je les prends à partie. Bâton pour mourir là. Putain. Hop. Pour un raccourci. Dommage qu'il n'y a pas des petits bidons explosifs qui traînent par-ci par-là. Jamais là qu'on a besoin d'eux aussi. Hein. Ça a remonté là, non? Oh, abusé, j'ai tout mis à côté. La Yem. La Yem, t'as peur. Oh bâtard, il m'a mis un coup de tête. Oh, on m'attaque dans le dos. On m'attaque dans le dos. Putain. Tiens, un petit tir. Imagine, j'étais coincé. Y'a pas un truc dans le landau ou quoi là? Ah si.
Ah, bah une pièce! Eh bah, nickel! C'est exactement ce qu'il me fallait. Est-ce que quand on sauvegarde, on récupère pas de la vie par hasard? Pas que c'est la Hesse, mais c'est la Hesse. T'as à faire gaffe tout à l'heure, il y avait une bête qui a despawn. Ah si là il faut exactement des bons endroits et tout. Ah, sauvegarder! Ça veut bien. Là, le problème, c'est que j'ai fait le tour, je sais même pas où je dois aller. Après ça, où est-ce que je vais faire un tour là, gros? Où tu que j'aille? J'ai fait tout le tour. Peut-être là-bas que c'est peut-être ouvert. Ouverture de 8h à 19h en dehors de ces horaires, contactez la réception. Double cadenas, gros. À mon avis, la suite c'est par là-bas. Ils regardent ma carte. Y a pas le vous êtes ici. À mon avis, on est là, en haut à droite. Oh, manoir Bodruin. Super gros. Je suis du père. Super, on a volé mes roues de vélo. Là, si mon objectif c'est de trouver les 5 trucs pour potentiellement ouvrir la grille, bah, c'est la merde. C'est moi qui te le dis. On va repasser par là-bas là. On va continuer notre chemin. Il vomit toujours dans ses shots lui. Eddie, are you gonna be okay? Apparemment non, ça va pas bien. Fermé. C'est toutes les portes, on sait jamais, elles s'ouvriront entre deux. On va monter d'étage. Nous on vient de là. J'en profitais. Moi si je meurs, je reviens ici quoi. Le problème c'est que j'ai plus de munitions, j'ai plus rien quoi. J'arrive pas à voir s'il y a des bêtes ou quoi au loin. Ah, je prends, merci bien. 4 balles. Let's go! Y'a un truc. Ah, ça me termine. Putain. Oh, il m'a esquivé ce bâtard. Putain, mais comment il m'esquive? C'est un truc de ouf. Oh, j'ai plus de soin. J'ai plus de soin. J'ai du soin.
J'aurais dû le clipper, le... la bête qui était cachée en dessous de la table. T'as moyen de retrouver le passage d'Addictos ou pas? De le clipper. Oh, 2 balles. Let's go. Oh, ça c'est le bâtard. On doutait que j'allais me faire attaquer, mais... C'est bon. Tout le temps avec ces conneries, moi. Ça commence à être tricky pour moi. Elle se cache derrière des trucs, ce bâtard. Oh là là. On a 2. Mais meurs. Non, non. Putain! On avait 2. J'avais pas long pour du soin. Hein. Ah yes. Ambiance. Bon, ça a beaucoup de brouillard là, non? Il y a un bruit que j'aime pas là. D'avoir encore un mob. Je sais qu'il y a quelque chose ici, je le sens, tout semble normal, mais c'est faux. Et dessous, ça bat, ça tente de sortir. Est-ce que ça tente de sortir ou je dois rentrer? Je dois le découvrir, je vais émerger à ça, à la surface. Oh bah non, non frérot, mauvaise idée. J'ai ramassé moi, j'ai ramassé. Alors je suis content d'avoir des munitions, mais j'aurais préféré de la vie. Hein. À choisir, voilà quoi. Et là, à gauche. J'ai plus de balles. Ça dégage. Oh, mais oh. Du soin, s'il vous plaît. C'est la merde. Du soin. Quel ça? Je m'en fous encore. Hein. J'avais tort, tort, tort. Non, mais je n'avais pas tout à fait raison. Je dois retirer davantage plus près du sang. Ok. Je peux pas sortir. Donc ça doit être là-bas. Bon, bah c'est pas vraiment là, mais... Mais ça fait plaisir quand même. Je sais même plus d'où je viens, moi.
Stark là-bas, c'est une femme bloquée. C'est chelou. Stark, je peux pas sortir. Bizarre, bizarre. Ah. Là, y a pas d'échelle, on est d'accord. Hein. Une gazinière. Non, bah écoute, non, y a rien du tout. Je peux pas sortir par la porte d'entrée et y a rien sur le balcon. Là, je peux carjack l'armoire, mais il y a rien dedans. Oh. C'est vrai qu'il y a un mob pas loin. Ça. Bizarre, parce que j'ai tout vidé ici. Hein. Oh, bâtard, il m'a fait peur. Avant face to face, mais casse-toi, Michel! Mais. Je l'esquive, il me touche quand même. Putain! Toute la vie que j'ai récupéré, bah j'en ai plus. Nickel ça! Nice l'ambiance. C'est quoi ces respawn? Même pas respawn parce que le cadavre est encore à terre. The fuck? Lui qui a fait du bruit en rangeant son arme. C'est ce que j'ai rien récupéré. Il y a un bruit là. Y'a rien. Bah, j'ai pas récupéré grand chose. Hein. Y'a quelqu'un en moi. On peut pas carjack la fenêtre. Ok. Alors attends, là je suis un peu coincé. J'irai récupérer de mémoire. Je suis au bout de ma life ou... Garo. C'était bloqué. Et on est d'accord que tout le monde, j'ai rien trouvé. J'ai rien. D'avoir un endroit. Et y a rien qui le valide.
Il n'y a pas un son ou quoi. Dans les 5 trous, prennent 3 places, 3 pièces qui brillent. Premier, l'arbre assis. Derrière la jeune fille, le vent peut. De la jeune fille. Après, c'est l'arbre. Non, c'est l'arbre. La jeune fille. Vent. La fleur. Il y a 6 phrases, il y a 5 places. Enfin, quoi, c'est une place, mais je pourrais la mettre. Dans 5 clous, présente 3 pièces qui brillent. Non, en premier. L'arbre, ça scie la jeune fille. Ce serait l'arbre, la jeune fille. Vent. La fleur. Mais après il y a la lune. À moins que c'est un arbre avec la jeune fille, donc c'est l'arbre avec la jeune fille. Bon, la fleur, l'homme et le clair de lune. Non, j'ai pas les 5 en quoi. Par contre là du coup je suis passé, enfin je sais pas quoi c'est mais. De l'autre côté, je suis allé en haut, j'ai tout vidé. C'est vrai que c'était un peu la merde. Bon. Voilà, ça fait peur, hein. Des trucs. Ça se trouve, c'est à partir de là on récupère les 5 pièces. Et certainement loupé, hein. J'ai loupé des trucs, il y a celui et tout y est fermé. Bon, on est d'accord, c'est un cul-de-sac. Bon, derrière, mais je peux plus. Oh. Non. Intéressant de rentrer là, mais je peux pas. Moi, j'ai pas l'interaction dans tous les cas. Oh, c'est fermé. Il y a du... il y a un truc, j'ai dû taper, hein. J'ai dû passer à côté.
Revérifie bien partout pour être sûr. Pas rien zapper. J'ai l'impression qu'il reste un mob quelque part. C'est un mob, mais je sais pas où il est. Il peut être soit au-dessus, soit en dessous. Oh. Un mob là. Attends. Y'a des gens là qui respawn, hein, c'est ouf. Toujours un qui respawn. Là, le problème, c'est juste pas où il faut aller. Fermé, et là-bas, c'est fermé. Regarde, il y avait un petit trou. Oh la bière! Canette de jus. À quoi ça me sert? Ah ok. Faut faire du poids et tout faire tomber la pièce. Ok. Voilà la petite pièce. Ça change pas. On faut plus. Ouais, regardez tranquille. Voilà, oula. Il y a un mob qui traîne quelque part. Je détecte quand je suis au-dessus, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Bizarre. Yes. On va sauvegarder là.